Hey and welcome back to my channel. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Dalia, pour ceux qui me connaissent pas encore, welcome. Ceux qui me connaissent déjà, welcome back. J'ai perdu ma voix. Vous voyez bien, j'ai pas bougé depuis le dernier vlog, la fin du dernier vlog. Du coup, j'ai commencé le nouveau directement pour vous faire l'intro. Je suis toujours à Douala, je rentre à Douala mercredi. Nous sommes actuellement lundi. Et dès que j'arrive, j'ai une grande nouvelle que je vais vous annoncer dès maintenant. Parce que tout va s'enchaîner très vite et je suis pas sûre quand est-ce que j'aurai le temps de vous parler encore comme ça en étant posée. Dès que j'arrive, je déménage. C'était ça la grosse nouvelle de la fin d'année que je devais vous annoncer depuis quelques vlogs. On déménage avec Armel. Je m'explique. Vous savez qu'au début de l'année, je vous ai dit que oui, du coup, je vais devoir passer plus de temps avec les enfants seuls parce que Armel n'est pas là, etc., etc. Pour vous dire la vérité, je vais vous expliquer sans trop vous donner trop de détails parce que ça reste quand même notre vie privée. Du coup, mon mari, il a décroché un nouveau travail à Montpellier. On habite à Toulouse actuellement. Toute l'année, on habite à Toulouse. Vous savez qu'on habite à Toulouse. Et il a décroché un nouveau travail, une offre qui ne pouvait pas passer à Montpellier. Et mon mari, en étant prévenant, prévoyant et en ne voulant pas tout chambouler sans être sûr, au début, il m'a dit, non, on ne déménage pas tout de suite parce qu'on ne sait jamais. Reste ici avec les enfants. Moi, je vais faire les allers-retours pendant que vous restez ici. Et dès que c'est confirmé là-bas, c'est-à-dire qu'elle a passé sa période d'essai, etc., etc., là, je vous fais tous venir, on déménage tout, on se retrouve. Ça devait être quelque chose qui devait durer 3 mois. 9 mois plus tard, on est toujours là. Mélie, elle a 9 mois et ça arrivé un mois après que Mélie, elle soit née. Donc, 8 mois. Donc, ça fait 8 mois que nous sommes séparés, entre guillemets, dans le sens où bah, lui, il est à Montpellier, entre Montpellier et Toulouse, et moi, je suis à Toulouse avec les enfants. Voilà pourquoi bah, ça a un peu changé carrément notre vie, un peu beaucoup, dans le sens où bah, c'est moi qui suis tout le temps avec les enfants en semaine, lui, il est là que le week-end. Et bref, vous comprenez. Finalement, le jour arrivé où on va tous se réunir. Parce que ça faisait trop longtemps, ça a fait trop de chamboulements, les enfants ne voyaient pas leur père, lui-même ne voyait pas les enfants, même entre Armel et moi. C'était compliqué la séparation comme ça, bah voilà, vous connaissez les couples et tout, comme vous êtes habitués à tous rester ensemble et tout, et finalement vous restez séparés aussi longtemps que ça, les enfants, la famille, c'est jamais trop bon. Donc là on est juste trop 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 contents, rend gloire à Dieu de pouvoir être tous ensemble, ça va tellement nous faire du bien, mon Dieu. Et en plus ça arrive à la fin de l'année, nouveau départ, nouvelle année, on est juste trop contents. Tout ça pour dire que je rentre d'ici mercredi de Douala. Mon vol est mercredi là, à 20h. Et j'arrive là-bas jeudi matin à midi. J'ai un rendez-vous à midi chez le médecin. Et après ça, je rentre à la maison fermée, carton. Donc avant ça, la semaine dernière, quand je ne vous ai pas bloqué pendant les 2 jours là, c'est parce que je faisais mes cartons avant de partir. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à quel point tout s'est enchaîné. Et j'ai perdu ma voix au mariage, au cas où vous n'avez pas regardé le vlog précédent. Donc écoutez un peu comment tout s'est enchaîné. On est venu il y a 3 semaines au Cameroun pour 2 semaines, mon mari, moi et les enfants. On est rentré, je suis restée 1 semaine à Toulouse pour faire tout mon travail, bref, tout ça. 1 semaine après, je suis revenue donc mercredi dernier. Je reste 1 semaine ici. Je rentre mercredi, j'atterris jeudi. J'ai jeudi après-midi avant d'aller chercher les enfants, vendredi après-midi, vendredi toute la journée pour faire tous les cartons d'une maison qui fait 110 mètres carrés et une maison où j'ai pas mal de choses, genre 99% des choses dans cette maison c'est à moi, tellement j'ai des affaires, c'est énorme. Donc j'ai que ces 2 jours là plus les 2 jours que j'avais eu avant la semaine dernière pour faire tous les cartons de toute la maison. Est-ce que vous voyez que la pression commence à monter ou pas? Genre les mamans, vous connaissez à quel point ce genre de choses c'est stressant pour nous, mais étrangement je suis archi calme, je suis pas paniquée. Je ne suis pas stressée. Et ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un pouvoir que Dieu m'a donné cette année. C'est de m'apaiser. Genre là, en temps normal, la Dalia d'avant, j'aurais paniqué. Oh, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Mais là, en fait, je me dis juste, Dalia, tu ne peux pas stresser sur quelque chose que tu n'as pas le contrôle. Genre, je n'ai pas le contrôle de ces dates qui se rajoutent. Avant, vous posez la question en disant, mais pourquoi est-ce que tu as déménagé en même temps que tu partais au Cameroun? Ou pourquoi est-ce que tu es revenu au Cameroun? Si vous n'avez pas regardé le vlog précédent, je suis revenue parce qu'une très 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 bonne soeur à moi se mariait, une bonne copine, une bonne soeur, se mariait et je ne pouvais pas louper son mariage. C'est pas possible de pleurer pendant que ça n'allait pas dans toutes ses précédentes relations et de ne pas venir célébrer et être en joie avec elle quand elle a trouvé l'amour de sa vie, celui que Dieu l'a destiné. Donc voilà. Et aussi, j'ai pris les billets pour venir la voir de son mariage il y a longtemps, il y a des mois. Et on a su qu'on déménageait, on a trouvé la maison il y a un mois, avant de venir au Cameroun, tous ensemble, la famille. Ce qui fait que bah, je rentre, j'aurai que jeudi et vendredi pour
faire les cartons et essayer de rattraper un peu mon travail parce qu'en attendant, j'ai des marques qui m'appellent. Je suis en retard. Et samedi, on déménage. Donc, vous allez voir le déménagement. Et voilà. Donc, on va passer Noël de l'autre côté. Et on va passer le nouvel an. Bref, commencer une nouvelle vie de l'autre côté. On est juste trop, trop, trop contents. Ah oui, on déménage à Nîmes. Ceux qui vont se poser la question. On déménage à Nîmes, pas à Montpellier. Parce que du coup, on est juste à côté de son travail, de Nîmes à Montpellier. Et surtout parce que Montpellier est extrêmement cher. Au cas où vous posez la question, je ne vais pas vous mentir. Extrêmement cher, Montpellier. En fait, c'est une ville, je ne vais pas dire balnéaire, non, mais c'est une ville côtière dans le sens où c'est une ville touristique, tu vois. Montpellier, il y a la plage, il y a ci, il y a ça, donc tout est cher. Et vous savez que moi, je travaille de la maison, donc il nous faut une grande maison, entre guillemets, parce que j'ai toujours une pièce qui est mon bureau. Ce qui fait qu'il nous faut toujours un 4 chambres. Montpellier, tu as un 3 chambres à 1500 euros. Toulouse, on a 1500 euros, on a une piscine, on a une villa, on a 5 chambres. Là, Montpellier, c'était trop cher, donc on s'est rabattu sur Nîmes et on a très bien fait parce qu'en fait, on se rend compte que tout est moins cher dans le sens où les maisons sont toujours chères. Mais par exemple, quand tu pars de Paris, parce que nous, notre famille, elle n'habite pas à Nîmes, ils sont de Paris-Lyon. Donc quand ils viennent de Paris ou de Lyon, ça les rapproche que Montpellier et surtout, c'est moins cher. Vu que ce n'est pas une ville aussi cotée, c'est moins cher. Tandis que si on est allé à Montpellier, tout ce qui est billet de train, billet d'avion, c'est archi cher. Or que là, en plus Lyon, on est seulement à 1h20 de la famille d'Armel, c'est trop cool, on pourra aller les voir en week-end, on revient. Pareil pour Paris, on est seulement à 2h30, mais c'est génial, on est juste trop content. Je vais pouvoir voir ma famille encore plus qu'avant, donc vraiment gloire à Dieu. Et on a attendu longtemps pour déménager tout simplement parce qu'aussi on ne trouvait pas la maison. Quand je vous dis on ne trouvait pas, en tout cas Dieu, il a dit que ce n'était pas le bon moment. Nous, on voyait que c'était le moment parce que frère, on n'en pouvait plus de tenir la distance, d'être séparés, les enfants et tout, la charge mentale. Mais Dieu, il était là, non. Non, c'était juste pas le moment. On ne trouvait, en fait, on trouvait même quelque chose qui nous intéressait. On posait nos dossiers, c'était pas que c'était, sachant qu'on a un très bon dossier avec le travail de mon mari, like, a real good one. Et non, ça passait nulle part. On était là, ouais, Seigneur, si tu veux pas qu'on déménage, dis non. On s'est même rabattu. En faisant des prières, on s'est même rabattu sur Toulouse en disant que, ok, bon, on va peut-être rester à Toulouse, tu vas peut-être demander du télétravail et tout. Dieu, il a dit non, mais il a dit non. Donc finalement, on l'a trouvé à Nîmes et c'est passé comme ça. Et c'est vraiment notre maison. Quand je vais vous montrer la maison, vous allez dire, what, elle est magnifique. Une maison que je n'ai pas encore visitée, j'ai vu juste sur vidéo parce que c'est Armel cette fois-ci qui a choisi la maison. La dernière maison, là où on est actuellement à Toulouse, c'était moi qui l'avais choisi. Là maintenant, c'est Armel qui l'a choisi. Donc chacun. C'est comme ça qu'on gère, parce qu'on n'est jamais d'accord sur les mêmes maisons, Armel et moi. Donc, c'est chaque fois qu'on doit déménager, il choisit, je choisis, il choisit, je choisis. Faites des compromis dans votre mariage, parce que sinon, vous allez comme Armel et moi se disputer pour tout et rien. Donc, finalement, on a trouvé que faire le compromis, c'était ça. Donc, il a choisi totalement la maison, il aime bien. Moi aussi, je l'aime bien et franchement, elle est magnifique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, un big update au début de la vidéo, tout ce que vous aimez. Et ouais, donc suivez-moi dans ma fin d'année qui est juste speed. Et en janvier, j'ai encore une nouvelle news à vous annoncer. Enfin bref, cette fin d'année, waouh. Je vais vous laisser. J'ai Sandra qui va arriver, elle va passer la journée avec moi. Il faut qu'on se repose. Elle et moi, on est toutes les deux fatiguées. Il est 9h30. Le petit déjeuner finit à 10h en bas. Et je suis encore ici en train de bavarder avec vous. Donc je vous laisse. Je vais manger. Je suis KO, j'ai faim. Et je dois absolument travailler aujourd'hui à fond. Donc on se voit dans le prochain clip. The next day. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est le lendemain et je suis déjà prête à partir. Je suis habillée comme vous pouvez voir. Je suis en train de partir manger au restaurant avec ma copine pour lui dire au revoir vu que je m'en vais demain. Et je dois travailler aussi sur mon ordinateur. Hier, j'ai pas revlogué tout simplement parce que j'ai travaillé toute l'après-midi. Bref, donc là, je sors pour ça. Je dois aller enlever mes ongles parce que bah, ils sont plus bons. Et il y a le Yango qui m'attend en bas, so let's go. Right to the bottom of my mountain, I will.
the next day. Seven hours later. The next day. Donc, vous allez comprendre, les amis, je suis rentrée à la maison. Je suis arrivée hier. J'ai bien voyagé. Désolée, ça bouge un peu. Et bien voyagé, c'est un grand mot. J'ai dormi 3 heures dans l'avion. J'arrivais pas à dormir. Pourtant, je suis épuisée. Je suis arrivée, j'ai enchaîné directement. J'ai fait tous les cartons, comme vous pouvez voir. Je l'ai fait avec ma copine Madeleine, qui est juste tout le temps présente. Et du coup là, deuxième jour, on est en train de... Le camion est arrivé, vous allez le voir dans le prochain clip, on est en train de mettre les cartons dedans et tout ce qui va avec. J'ai pas trop le temps de parler, donc je vais essayer de filmer au max et mettre juste en accéléré. Et so yeah, avec le vlog. Sinon on a Madeleine, la déménageuse. Madeleine, t'es quand même dans tous les déménagements. Ouais. Sinon t'as une vie? Non. Tu travailles? Je vis pour toi, Talia. Non, c'est pas ça, c'est surtout... Non, mais je pense que tu travailles pas, meuf, parce que si mais tu travaillais... Je vais me convertir au déménagement. Ouais. Tu sais quoi, tu gagneras beaucoup d'argent. Je vais faire chez les gens. Non, mais tu sais qu'est-ce que tu proposes? Comme les agences, là, en mode, tu fais les cartons. Oui, c'est ça. Genre, tu viens, tu dis... Je viens, je te réinstalle, si tu veux. Exactement. Et tu sais combien d'argent tu peux te faire avec ça? Énormément d'argent. Quoi? Ils prennent 3000 euros juste pour faire ce que tu viens de dire. Tu leur diras. De toute la maison. De ouf. Madeleine. Ah, non mais Madeleine, elle est dans tous mes déménagements. Si vous en rappelez pas, la dernière fois elle était là, sauf qu'elle était enceinte. Bon, on était toutes les deux enceintes. Mais elle est enceinte. Wow. Quand on a déménagé de Cugno à ici. Ouais. Et bah là maintenant elle est encore là, Madeleine. Tu vois là, waouh. Mais il est immense. Comment tu me dis tout? Amazing. En fait, c'est que il est grand en taille, mais il est pas profond. C'est ça que tu veux dire? C'est pour ça que tu dis que ça va prendre deux voyages? Non, c'est juste par rapport à vos affaires. Ah! Par rapport à. Ça, regarde, ton garage, il est plus grand que le camion. T'as vu comment il est blindé? Juste ouais, ça, ouais, regarde. Je vois ce que tu veux dire, juste le. Ouais. Next day. Les amis, bonjour. Alors, aujourd'hui c'est le lendemain. Hier je vous ai montré en rapide le déménagement qu'on était en train de faire. C'était hyper long.
Sachant qu'on avait déjà fait un jour, Madeleine et moi, avant que je parte au Cameroun. Même, je vous rappelle, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais fait deux jours sans vlogger parce que j'étais en train de faire les cartons, du coup. Et quand je suis revenue, Madeleine, elle est venue me chercher à l'aéroport et on m'a enchaîné directement. Quand je vous dis que j'ai très peu de sommeil en moi. Bref, non, ça c'est une conversation pour un autre jour. Donc on a enchaîné directement quand je suis rentrée, je suis arrivée à midi, on a enchaîné toute la journée jusqu'à 18h avant d'aller chercher les filles à la crèche. Et voilà, donc c'est ce qu'on fait depuis. Et hier, du coup, c'était toute la journée, tout le monde était là. Et là, les garçons viennent de partir avec le premier tour de camion. On va aller voir 11h, le temps de décharger, on va dire 12-13. Ils partent de là à 13h pour revenir ici. Là, mon mari, il a une très longue journée. On a tous une longue journée, mais lui, un peu, s'il conduit et tout, donc franchement, courage. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, donc là il n'y a plus rien du tout nulle part. Je vais vous montrer un peu ce qui reste. Mais là je suis juste en train de faire les petits derniers trucs. J'ai vidé le frigo parce que dans la maison où on est de l'autre côté, il y a c'est un appartement semi-meublé. Donc en fait il y a la cuisine qui est déjà meublée, c'est-à-dire lave-vaisselle, micro-ondes, frigo, tu vois, les choses comme ça. Donc on peut pas forcément porter l'autre parce qu'il est immense au frigo et je l'aime trop, j'ai pas envie de le mettre en vente parce que je sais que demain si on déménage là où il n'y a pas de frigo, on va se retrouver à devoir racheter et il m'a coûté 1400 euros. C'est un frigo américain et tout, il est trop bien, j'ai pas envie de le laisser. Donc je vais juste le déposer chez une de mes copines, elle va le garder pendant que on en a pas besoin, et si on en aura besoin d'ici quelques temps, bah on le reprendra quoi. Anyway, donc là aujourd'hui le truc du jour c'est que moi je dépose les filles chez ma copine et les filles vont rester là-bas parce que je ne pourrais pas les avoir avec moi en aménageant de l'autre côté. Je prends mon train pour aller à Nîmes, je vais rejoindre ma mère qui arrive de Paris. Elle va m'aider à faire tout ce qui sera un petit peu nettoyage et tout ranger. Et les garçons seront déjà de l'autre côté normalement. Donc la première chose que je vais leur demander à faire, ce sera de faire la chambre des filles, leur lit. Une fois que leur lit est fait, c'est bon, les filles pourront revenir et moi ça m'arrange largement. Que leur lit soit fait avant et notre lit aussi, bien sûr. Donc, ouais, il me reste juste des petites choses un peu partout. Je ne vais pas trop avancer pendant longtemps. Je vais vous laisser et welcome to my life. Déménagement, aménagement, tout ce qu'on aime. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que ma fin d'année était hectique et qu'il y avait trop de choses qui se passent en même temps? This is what I meant. Mais bon, on va juste dire gloire à Dieu, le rendre grâce parce que c'est... sans lui, ce ne serait pas possible. Et je sais qu'il est en train de nous faire aller vers de meilleures aventures, entre guillemets. Donc voilà. Anyway, mais il n'y aura pas dans la soirée, donc je vous laisse parce que j'ai encore le linge à enlever là-bas. So, let's go. Les amis, je suis bien arrivée à Nîmes, ma première fois à Nîmes et c'est le jour où j'aménage. Heureusement que j'ai totale confiance en mon mari et que je sais qu'il va pas choisir n'importe quoi. Donc, bah, tous ceux qui habitent à Nîmes, dites-le moi dans les commentaires parce que je suis dans votre ville pour je sais pas combien de temps parce que mon mari et moi déménage tellement que... voilà. On appelle comment les habitants de Nîmes? Les Nîmois. Il y a un Nîmois qui est là avec nous les amis, un Nîmois. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Hello tout le monde, je suis bien arrivée du coup dans ma nouvelle demeure et il y a ma mère qui est déjà là, elle était avec Armel et c'est très très beau. Je découvre en même temps que vous tous, du coup je vais vous faire un house tour proprement quand ce sera tout bien installé. Mais bon, de ce que Armel m'a expliqué, ici la table à manger, là il y aura un petit coin pour les enfants pour jouer. Là, c'est la porte d'entrée. Maman, elle est là-bas à la cuisine. Magnifique. Franchement, c'est cet appartement magnifique. Du coup, le coin canapé avec la télé là-bas. Je vais me rapprocher. Vous avez vu, on a des... comment ça s'appelle déjà? Stool. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Du coup, maman, elle est là du coin cuisine. Comme je vous ai dit, c'était semi-équipé avec le four, frigo, congèle et micro-ondes. Là, c'est la plaque de cuisson. Magnifique. Quand on tourne ici... le petit coin en vaisselle avec le lave-vaisselle que je n'utiliserai pas. Mais bon, il ne faut jamais dire jamais parce que ma mère vient de me dire le contraire. Donc, je continue. Franchement, je ne vais pas descendre pour vous montrer, mais je vous ferai un truc proprement plus tard. Mais en tout cas, ici déjà que je vous montre cette magnifique pièce qui est la mienne, c'est mon bureau. Je vous le montre en vite fait. Hein. Quand ce sera bien fait, je referai.
Donc tout ça, c'est à moi. Mais attendez, that's not what I want to show y'all. Is this? Look at this bathroom. Attendez, je recule. C'est pas magnifique la salle de bain? Ma salle de bain, genre mon bureau. Ma salle de bain. Ah! Et c'est mon mari qui a choisi ça? Non. Et les maris que vous méritez. Regardez-moi cette salle de bain avec les lumières d'Instagram déjà ready. J'ai même pas besoin de mettre de ring light avec ce genre de lumière d'éclairage en fait. Waouh, immense, hyper grand. Lavabo magnifique. J'aime trop la déco. Ici, il faut qu'on mette un meuble. Du coup, ça c'est ça. Ici, on a un petit cellier. Par contre, c'était pas très propre quand on est arrivé. Parce qu'il faisait encore les travaux hier. La salle de bain, les toilettes, je veux dire. Et on descend. Mais je vais pas descendre, les amis. J'ai faim. Je dois aller acheter à manger avec ma mère. Donc, je vais pas descendre tout de suite. Mais regardez en bas. Donc, c'est là pour descendre. Overall, je suis contente. Mais je serai encore plus contente quand tout sera set up. Genre tout. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, so she drip the swag. Do. Oh, you a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, so she drip the swag. Do. You a bad girl and your friends bad too. Oh, you got the swag, so she drip the swag. Do. Je continue mon house tour en despi, en bordel. On est en train de monter un meuble dans cette pièce. Il manque des choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc ça, c'est la chambre parentale, la suite parentale, la chambre parentale. C'était censé être là où il y a mon bureau, mais mon mari était sympa, assez sympa pour m'accorder ça. Ensuite, on sort. La deuxième chambre sera donc la chambre d'amis avec le berceau de Mélia, parce que Mélia dort dans sa chambre à elle toute seule, parce qu'avec sa sœur, ils se réveillent trop toutes les deux. Donc Mélia dort ici, mais toutes ses affaires sont de l'autre côté avec sa sœur, dans la troisième chambre du coup. Quatrième, si on compte celle d'en haut. La quatrième chambre qui est ici. Le lit de Malia n'a pas encore été monté. Donc, ce sera ici que sera leur chambre avec leur jeu, avec leur armoire et blablabla. C'est ici qu'on va faire en premier parce que là, on essaie de faire leur chambre. Ensuite, vous avez une salle de bain. Vraiment, c'est un vlog en mode rapidos. Une salle de bain qui est trop belle. Enfin, une salle de bain, une douche. Non, toilette. Et ici, vous avez une douche magnifique. Regardez-moi comment elle est belle. Attendez, je vous mets en arrière. Ah non. Regardez-moi comment elle est magnifique celle-là. C'est pas une salle de bain instagrammable. Regardez comment c'est beau. Douche à l'italienne, magnifique. La lumière est instagrammable, tout est instagrammable ici. J'aime trop. Regardez, trop stylé. J'aime trop le marbre et tout. J'aime trop. Ensuite, là, on a mon bureau qui sera donc ici. Je vais poser mon ordi pour éditer. Ici, j'aurai d'autres trucs, etc. etc. Donc, les voilà. Amis, du coup, j'ai un petit peu avancé. J'ai fait la chambre des filles, comme je vous ai dit. Je vais le faire en premier en attendant que le reste arrive. Bon, ça, j'ai pas encore rangé. Je vais le ranger tout de suite. Donc là, du coup, j'ai fait un côté Mélia et j'ai fait l'autre côté Malia. Donc avec leurs affaires. Tout là-haut, je vais mettre des rangements que je n'utilise pas tous les jours parce que j'ai absolument pas la taille pour aller là-bas. Et en bas aussi, je vais pouvoir mettre des cartons. Et tout. Donc, je range ça et puis voilà. Donc là, j'ai un petit peu avancé. J'ai mis sur le côté. Les livres vont pas tarder à arriver. Armel est en train de faire le dernier aller-retour. Donc, il est en train de revenir. Et ouais, on avance petit à petit. Les garçons dorment tout simplement parce que il manque encore le dernier camion qui doit arriver. On est tellement à la bourre sur ce déménagement, donc tous les garçons font une sieste de 2 à 3 heures le temps que ça arrive. Pendant ce temps, ma mère et moi, on est en train de continuer à avancer au maximum comme on peut. On est épuisé. On va voir jusqu'à quand est-ce qu'on tient. Petit à petit, il est 2h du matin et on est toujours là. Ça a avancé ici aussi, là-bas les habits ça a avancé. Dans ces cartons-ci, il reste que les manteaux. J'attends d'avoir les cintres
Et du coup, Armel vient d'arriver et on va faire le reste. Ça me fait trop bizarre d'avoir mes parfums ici, mais j'avais pas le choix que de les mettre avec moi maintenant. Several days later. Est-ce que ça se voit que je sors de 4 jours de chaos? J'ai arrêté de vlogger il y a genre 2 jours, 3 jours. Je sais pas franchement il y a combien de temps. Mais je pouvais juste plus vlogger tout en continuant de ranger tout ce qui allait rester. C'était juste plus possible. En 3 jours d'aménagement. On a tout fini, la maison, il n'y a plus de carton. Bon, à part certains petits trucs, mais bon, vous allez voir. Mais je veux dire, pour des gens qui viennent d'aménager, on dirait pas du tout. Mais après, ça, c'est ma spécialité. À chaque fois, mes proches sont choqués. Ma pote, la dernière fois, elle était en train de me dire, mais Dalia, ça fait 2 jours que t'as aménagé, on dirait que t'as toujours vécu là. Tellement, genre, tout est prêt, tout est à leur place et tout. Ouais, je sais, mais c'est que je déteste, genre... Je crois que quand je dis que j'aime pas les cartons, vous comprenez pas ce que je veux dire. En fait... Les cartons encore, I wouldn't mind. Mais je déteste chercher quelque chose et que ce ne soit pas à sa place. Genre, où est le taille-ongle? Et on le cherche. Et tu ne peux même pas le trouver parce que tu ne sais pas où c'est, genre parce que tu es en train d'aménager. Non, I hate it. I hate it with passion. Donc, c'est pour vous dire, en fait, j'aime vraiment pas cet effet-là de chercher quelque chose. Voilà pourquoi est-ce qu'à chaque fois que j'aménage, chaque année, c'est la même chose. Bon, parce que j'ai déménagé l'année dernière à la même période. Donc, chaque année, c'est la même chose. Quand j'aménage, je m'assure qu'en 3 business days, I'm done. For real, for real. Donc là, j'ai fini d'aménager en 3 jours. Vous voyez, je suis déjà dans mon setup. Il y a déjà tout. Il me faut quelque chose ici derrière. Je pense que je vais faire un neon design with my name on it. Donc, parlons de name on it. Oh my God, I have so much to tell you. J'ai tellement de choses à vous dire. Donc... Parlons de nom. J'ai envie de changer mon nom. Dalia, I love you. I feel like I've outgrown it. Genre, j'ai l'impression que j'ai grandi de ce nom. I mean, c'est toujours moi. No problem. Mais j'ai envie de quelque chose de moins long. Voilà. Juste quelque chose de moins long. Donc, j'étais en train de penser à changer mes noms sur tous les réseaux sociaux. Enfin, mon pseudonyme sur tous mes réseaux sociaux. Et de mettre Dalia Love. Juste Dalia Love. Ou Dalia tout court. Mais bon, je me dis que si l'algorithme do his thing, si quelqu'un ne sait pas que j'ai changé de nom et tape juste Dalia Love, au lieu de taper Dalia I love you, he should find me. De passer de Dalia I love you à Dalia Love, je me dis. J'avais pensé à Dalia Lovely. C'est toujours long. Et puis, vas-y. Peut-être les gens, ils ne sauront pas écrire Lovely. Tu vois, donc je sais pas. A little longer than a few minutes later. Je pense que ça va faire 3-4 jours que je dors pas. Je dors peut-être 4 heures par nuit. Quoique hier, j'ai réussi à avoir une très 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 bonne nuit. Ce qui est très rare pour moi. Mais ouais, donc je fais tout ça pour voilà, sortir des cartons. La première chose que j'ai faite, je pense que vous avez peut-être dû le voir, c'est faire la chambre des filles. Et voilà, la chambre des filles, j'ai fait les habits d'Armel parce que lui, il allait travailler directement. I mean, on a déménagé pour ça. Donc lui, dès le lendemain, il allait au travail. C'est la première fois que je mets une wig depuis une semaine et demie. Sachant que j'ai pas mal de contenu à créer. Mais bon, bref, par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui, ma soeur, elle est en train d'arriver. Elle est actuellement dans le train avec sa fiancée, ma belle-soeur, du coup, et mon neveu. Donc, je suis contente, on va aller voir. Et ma soeur, elle pense qu'elle est clever. Cette année, elle a Dutch, le déménagement. Elle a dit, bon, écoutez, moi, j'ai fait ma part l'année dernière. Cette année, démerdez-vous. Et je sais qu'elle regarde mes vidéos. Cette année, démerdez-vous. Moi, je viens après le déménagement, comme si de rien n'était. Comme ça, au moins, je viens, c'est déjà fait, quoi. Mais elle pense qu'elle est maligne, ce qu'elle sait pas. Bah, du coup, elle va le savoir avant de voir la vidéo. C'est que j'ai réservé des choses juste pour elle. Ça, elle le sait pas. Elle va être surprise. Elle va dire, je pensais que j'avais échappé, mais non, on n'échappe pas. Bi.
Non, on n'échappe pas. On ne m'échappe pas, moi. Bref, je disais tout à l'heure, donc, par rapport à mon nom, que oui, je pense que Dahlia Love serait mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Deuxième topic. Sinon, à part ça, j'aime bien la ville. Ah, MDR, depuis tout à l'heure, je parle. Vous savez ce que je vous ai pas dit? Mais MDR... Mais Dahlia, où sont tes manières? Voyons. Où sont tes manières? Déjà, de 1, joyeux Noël. Joyeux Noël à tout le monde, parce que depuis tout à l'heure, je suis là, je bavarde avec vous. Je vous ai même pas dit joyeux Noël. Ah, il y en a plus. Mais pourquoi je l'ai gardé s'il y en a plus? Ouais, donc, où sont mes manières? Je sais pas. Mais en tout cas, du coup, j'ai oublié de vous dire joyeux Noël. Donc, joyeux Noël à tout le monde en retard. Cette année, oula, j'en ai beaucoup mis. Cette année, nous, on n'a pas eu de Noël parce qu'on a déménagé en plein Noël, un peu comme l'année dernière. Sauf que l'année dernière, on avait quand même pu faire Noël. En plus, c'était notre dernier Noël avec ma belle-mère parce que je me rappelle, elle était venue chez nous, ma feu belle-mère. Bonne année, bonne fête, bonne année en avance du coup, bonne fête à tout le monde. Et j'espère que vous, vous avez pu passer Noël. Nous, c'est vraiment triste parce que le jour de Noël, on dirait que c'était pas un Noël ici dans cette maison. Malia, elle était malade, encore une fois. Elle a ses molaires qui sont en train de pousser. Du coup, c'est ça aussi qui fait que j'avais pas trop envie de filmer parce que j'étais pas vraiment dedans. J'étais plus en train de me préoccuper de mon enfant. Mélia, elle avait sa baisse là et je pense pas vraiment qu'elle ait remarqué que c'est un jour comme un autre. Donc voilà, mine de rien, je leur ai donné leur cadeau que je n'ai absolument pas emballé. I'm such a bad mom for that. Mais bon, j'avais mieux à faire, comme m'occuper d'eux. Ouais, donc voilà pour Noël. C'est vraiment passé comme un taxi plein cette année, Noël. Rien du tout. On n'a rien fait. Armelle et moi, je ne suis même pas sûre qu'on ait eu le temps de se dire joyeux Noël. Tellement on était busy dans tout ce qui est déménagement et tout et tout. Sinon, à part ça, Nîmes est une très belle ville. C'est vraiment une très très belle ville et elle est calme, elle est petite. En fait, c'est pas comme Paris, c'est pas comme Toulouse. C'est plus petit et plus cosy et plus mignon, tu vois. Donc j'aime bien pour l'instant. Ma maman, elle est venue. Vous avez dû la voir dans les vidéos où on était en train de ranger. Elle m'a aidé à faire tout. C'est avec elle que j'ai aménagé. De toute façon, vraiment, quand je vous dis qu'avoir un bon support système, c'est hyper important. Parce que bah, quand vous avez des moments comme ça où vous devez déménager, aménager à chaque fois, chaque année limite, on a quelque chose avec mon mari. Donc, c'est super important d'avoir des bonnes personnes qui vous entourent et qui est là pour vous. Moi, je sais très bien que my rock, c'est ma mère, ma soeur, toujours présente pour tout, quoi. J'accouche, elles sont là. Je déménage, elles sont là. J'aménage, elles sont là. Et l'anniversaire, elles sont là. Enfin, franchement, avoir un bon, une bonne famille, des gens qui sont présents pour vous, c'est hyper, hyper, hyper important. Les amis, je suis en train de vous parler comme si je ne suis pas en retard. Je dois aller chercher les filles. Est-ce que je vous ai dit que... Je vous ai dit que les filles sont chez la nounou? Je sais plus. Je crois que j'ai pas eu le temps de vous parler par rapport à ça. Du coup, on est pas comme on a changé de ville. Pour les mamans qui me regardent. Ou les papas. Comme on a changé de ville, du coup, plus de crèche. Vous connaissez bien qu'en arrivant en début d'année, comme janvier, dans une nouvelle ville, c'est pas évident. Parce que, bah, du coup, toutes les places en crèche sont prises, même dans les privés, même dans les micro-crèches, bref, partout. Du coup, ça fait qu'on a dû trouver une nounou pour Malia et Mélia. Mélia, ça ne me dérange pas en soi qu'elle soit chez la nounou. Ce qui me dérange le plus, c'est pour Malia. Parce que Malia, l'année prochaine, vous savez, elle va à l'école. Ce qui fait que... Bah, normalement, là, elle est censée se préparer à sa maternelle. Donc, j'aimais bien la structure de la crèche. Parce que, voilà, elle est entourée. Il y a plusieurs enfants. Ça la prépare. En fait, ça la conditionne à pouvoir, aller en crèche, quoi. Avoir plus de monde. Avoir des copains, des copines. Tandis que là, chez la nounou, tu connais. Il n'y a pas beaucoup de gens. Ils ne sont pas nombreux. Bon, après, là, cette nounou qu'on a trouvée, elle est top. Elle est vraiment super bien. Je l'aime bien. J'ai un bon vibe par rapport à elle. J'ai prié. Je sais que l'année dernière, on me demandait dans mes commentaires, c'est quoi mes critères pour une bonne nounou? Et genre en mode, comment est-ce que je fais pour savoir si elle est bien, etc., etc. Honnêtement, je vais vous dire une chose, les filles. Pour les nounous, c'est vraiment au feeling. Fiez-vous. Moi, je suis quelqu'un qui me fie énormément à mon feeling. Fiez-vous à votre feeling. Et fiez-vous et observez surtout l'enfant durant le premier rendez-vous. Moi, durant le premier rendez-vous, Malia, elle est partie vers elle. Déjà, elle a appelé Tata. Bon, elle a appelé Tata parce que, en fait, notre assistante maternelle, c'est une rebeu. Et vu qu'on a des amis rebeux, vous vous rappelez de Sarah, voilà. Vu qu'on a des amis rebeux, bah, du coup, Malia, elle sait très bien que quand c'est rebeu Renaud, elle dit toujours Tata, tonton. Bon, d'ailleurs, d'autres personnes aussi, hein, quand c'est de la famille et des amis proches. Et du coup, et tout, dès qu'elle a vu la dame et tout, elle a dit Tata. Et aussi, surtout, elle a allé vers elle, elle lui a fait un câlin devant moi, juste avant qu'on parte.
Elle allait lui faire un câlin. J'étais là, mais adorable. La première fois que tu la rencontres et tout, tu fais ça. Et voilà, c'est des petites choses, en fait, que vous devez vous fier pour pouvoir accepter que telle personne garde vos enfants. Parce que vous connaissez les enfants, c'est la prunelle de nos yeux. Donc, pour nous, c'est hyper important qu'ils soient bien gardés, bien traités, bien entretenus. Donc, ce genre de choses. Et puis, regardez comment la personne se comporte, ce que la personne raconte, ce qu'elle dit, où est le quartier. Parce que ça aussi, mine de rien, ça compte. Donc, c'est ça. Moi, c'est ce genre de choses sur lesquelles je me fie, en fait. Donc ouais, fiez-vous à votre instinct. Et si vous êtes, que vous soyez en couple, marié ou quoi que ce soit, bref, allez avec l'autre personne aussi. Parce que deux paires de yeux valent mieux qu'une seule. Donc, allez-y avec quelqu'un. Moi, par exemple, je pars au rendez-vous avec ma mère. Et voilà. Et après, mon mari rencontre la nounou aussi. Et il donne aussi son avis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce genre de choses, des petites choses. Donc, vraiment, n'hésitez pas à faire vos checks. Et aussi, appeler tout ce qui est PMI, bon, pas PMI, mais RPE, je crois, Relais Petite Enfance, pour aussi demander par rapport à la nounou, le nom de la nounou, si elle est bien, etc., s'ils recommandent ou pas, etc. Généralement, ils vous disent, hein. Ils vous disent, hein, généralement. Donc, prenez pas n'importe qui comme ça. Moi, de toute façon, quand je suis arrivée, vu que j'étais tellement, je veux pas dire désespérée, parce que, étrangement, sur ces déménagements-ci, je vais pas dire que j'ai pas été stressée, mais j'ai été moins stressée comparée à d'habitude. Et surtout pour quelqu'un qui arrive dans une nouvelle ville, n'a pas de mode de garde de son enfant. J'étais zen. Vous savez pourquoi? Une seule et bonne raison, Dieu. Je savais qu'il est au contrôle. C'est pas moi qui décide. C'est pas par ma force, par mes recherches que je vais trouver une nounou. Certes, faut faire le travail. Genre avant de partir au Cameroun, j'avais déjà appelé toutes les nounous. J'avais déjà set up les rendez-vous pour quand j'allais arriver ici de ce côté. Et tout ce qui va avec. Bien sûr, faut faire le travail. Mais je pars du principe que je fais ce que je peux faire et le reste c'est lui qui donne. Et il a fait que la première nounou que j'ai rencontrée, c'est la première nounou avec laquelle on a signé. Ah oui, aussi n'hésitez pas à rencontrer plusieurs nounous. Bon, moi c'est parce que voilà, je savais très, je me suis fié à mon instinct et tout ce qui va avec. Mais je veux dire, vous n'hésitez pas à rencontrer plusieurs nounous. Ne vous fiez pas juste sur une seule. Rencontrez plusieurs nounous et après donnez votre réponse à toutes les nounous, genre en mode oui je veux ou non je veux pas, ce genre de choses. J'étais absolument pas stressée. Je savais qu'on avait trouvé une solution. Et puis, de toute façon, par rapport au nounou ou la crèche, tout ce que je disais à Dieu dans mes prières, c'était à base de « I don't want to know how you do it. I just know you will do it. » Donc, je veux pas savoir comment est-ce que tu fais. En fait, la procédure ne m'intéresse pas. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'après, tu trouves... Moi, je veux juste le résultat. C'est tout ce que je lui ai demandé. And I had it. Je l'ai eu. Donc, voilà, j'ai juste prié. Et prié aussi, même quand vous avez trouvé la nounou, demandez qu'il vous guide à reconnaître que c'est celle qui veut pour vous, entre guillemets, en tant que nounou. MDR, on peut croire que je suis en train de parler d'un mariage. Bref, les amis, je suis à la bourre. J'ai raté ma pause ici un peu, je trouve. Voilà. Je suis à la bourre. Je dois aller chercher les enfants, comme je vous ai dit. Et ensuite, ma sœur va arriver. Et on se parle plus tard parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je sais même plus ce qu'il y a dans ce vlog. Faut que je vous fasse aussi un house tour, bien sûr. Je vous montre et tout, comment est la maison et tout. Et yep, let's go.